sentir? Vous étiez, on a l'impression, le seul à mettre de l'intensité. Le réveil a été dur. Ouais, franchement, on a eu du mal à démarrer le match. Moi, personnellement, j'ai voulu pas baisser les bras parce que je savais que si je le faisais, ça aurait pu être très compliqué. Donc voilà, j'ai essayé de donner parce que je sais que mon rôle était super important dans l'équipe et j'ai essayé de montrer l'exemple jusqu'au bout. Aujourd'hui, l'équipe de France est qualifiée pour le championnat du monde l'année prochaine, mais aussi pour l'Euro 2011. C'est une belle journée, ça console, on va dire, un petit peu de ce quart de finale. Effectivement, ça console. Je pense que l'objectif premier, c'était de se qualifier pour le championnat du monde. Et en plus de ça, on a le championnat d'Europe. Donc on est sûr de faire deux compétitions dans les deux années à venir. Et franchement, on est vraiment satisfait aujourd'hui du comportement surtout de l'équipe. Et on a prouvé que l'état d'esprit elle était vraiment bon. On est vraiment, vraiment satisfait de cette victoire parce qu'on est allé la chercher. Et je pense que c'est une bonne base pour partir l'année prochaine. L'équipe de France partait de loin avec le tournoi de qualification. C'était il y a 2 mois. Finalement, ça valait le coup de s'investir pendant 2 mois à l'arrivée. Ça a payé? Non, ça a payé. Franchement, je suis super heureux d'avoir cette sensation de devoir accompli. Je pense qu'au départ, c'était vraiment difficile. On avait toutes les qualifications à aller chercher. Après de faire un euro et de se qualifier, je pense que la tâche n'est pas facile. Mais comme j'ai dit, l'état d'esprit de l'équipe, l'état d'esprit de mes coéquipiers et de mes entraîneurs ont été exemplaires. Franchement, aujourd'hui, je suis un homme comblé et je suis vraiment fier de mes coéquipiers. C'est rassurant pour l'avenir, justement, pour tout ce qui arrive maintenant.